49 649 candidats sont régulièrement inscrits au certificat d'études primaires et 29 025 au First School Living Certificate session 2023 dans la région du littoral avant de leur permettre d'affronter les épreuves écrites officielles prévues les 6 et 7 juin 2023 prochains. Le ministère de l'éducation de base a organisé dans la région du littoral ce 25 avril 2023 un galop d'essai. Examen blanc qui permet aux candidats de mieux se préparer. Léopold Yimgadjamène, délégué régional de l'éducation de base pour le littoral, est descendu dans les sous-centres d'examen malgré la pluie pour constater l'effectivité de cet examen test. Les enfants arrivent le matin, se dirigent vers leur salle de classe où les noms sont affichés. Ils sont reçus par les examinateurs, notamment les surveillants. Les surveillants les identifient et les font asseoir dans la salle de classe sur le banc devant lequel est inscrit son numéro de table. Et les épreuves sont passées au rituel des sons de cloche. Au terme de la publication des résultats de cet examen blanc, une analyse est prévue. Nous allons faire une analyse froide, identifier les zones d'ombre que les apprenants ont cumulées et proposer au niveau de la région les orientations pour la remédiation. Toutes les stratégies sont mises en œuvre pour anticiper sur des éventuels désagréments afin de garantir un succès lors des examens. Et vous avez également constaté le damp pluie qui a fait éruption le matin. Et ça avait également dit que le jour dit, il peut y avoir de la pluie. Par conséquent, il faut tirer les leçons de cette pluie et comprendre qu'il faut être au centre d'examen le plus tôt possible pour éviter les désagréments. Et pris en compte les informations qui me reviennent des quatre coins de la région, l'examen blanc que nous avons organisé ce matin se passe sans anicroche. Le délégué régional de l'éducation de base pour le littoral est accompagné au cours de ce travail par Sylvie Simone Epoupa, délégué départemental de l'éducation de base pour le Vouri, Rodolphe Ntonin Moudiki, sous-directeur des examens et concours, et Dr Marcel Simo, responsable de la communication à la délégation régionale de l'éducation de base pour le littoral.